Bien sûr, on peut parler d'une culture qui se constitue parce qu'on établit dans nos rencontres qu'on fait généralement toutes les semaines, on établit des relations cordiales. Hein, les bénévoles, les citoyens qui se portent volontaires pour venir rencontrer les détenus à l'intérieur des murs, bien, ils finissent par se lier d'amitié, puis s'intéresser à eux plus que juste savoir c'est comment la prison, c'est quoi l'épaisseur des murs, la grosseur des barreaux, là. Puis on s'intéresse aussi à ce qu'ils font, leur cheminement, tout ça. Alors, on s'intègre un peu dans la culture carcérale, mais aussi, bien, c'est un échange, hein, parce que les détenus aussi s'intéressent à nous, puis ils nous demandent, bon, comment ça va, toi, ou ton travail, ou... Sans entrer dans les détails de notre vie, on ne se présente pas là en disant, en donnant notre curriculum vitae, là. Mais ils finissent par savoir si on a une famille, si on est bien occupé, si on vient de loin, si on, bon, toutes sortes de choses comme ça. Alors, il y a vraiment un lien, un lien qui se crée, un lieu qui se construit. On est considéré comme de la grande visite, c'est sûr. Ils nous disent tout le temps, ouais, vous reviendrez, on n'est pas sorteux. Puis c'est toujours. Puis là, on le voit, hein, eux autres, ceux qui viennent à nos rencontres, ils ont l'humour, ils ont l'esprit, ils sont disposés à venir nous rencontrer, même s'ils savent qu'ils sortiront pas avant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il y en a qui savent qu'ils sortiront probablement jamais. Mais ils ont quand même un état d'âme, un état d'esprit ouvert. Et c'est dans ces rencontres-là que se créent des fois des moments touchants. Puis toujours des bons souvenirs. Merci.